Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau Let's Play, le chapitre 17 sur Détroit Become Human en Perfectron avec Eléa. Et c'est toi qui vas jouer ce chapitre Oui, qui Roulette s'appelle Russe. Hein. Roulette Russe, c'est juste, ouais. On va Voilà. jouer donc Connor. Toujours à la chasse au Perfectron. Et voilà, comme d'habitude, on vous explique les décisions qu'Eléa a prises. Je jouerai le suivant, on fera pareil. À la fin, la petite zone spoil, on vous explique les décisions, le pourquoi du comment, les différents chemins possibles, etc. Donc on est de nouveau au petit jardin d'Amanda. Petit jardin. Exactement. On s'est fait convoquer. Oh! Oh, salut toi! Viens. Donc là, on a de la compagnie. On voit un bout de queue là. Un petit bout de queue qui dépasse. Il n'est pas très content que je tienne une... que je tienne la manette. Ouais. Donc, on rencontre Amanda. Bonjour, Amanda. Connor, je t'attendais. Que dirais-tu de marcher un peu? Ce déviant semblait être un cas fascinant. Quel dommage que tu n'aies pas réussi à le capturer. Zut alors. C'est pas parce que j'ai vraiment réussi à avoir une bonne... J'ai manqué d'efficacité. Une bonne relation avec Amanda. Il y a des fois où elle t'aime bien, puis la plupart du temps, elle m'aime même. As-tu appris quelque chose? J'ai trouvé son journal. Mais il était chiffré. Le décoder peut prendre des semaines. On pouvait mettre ça, j'ai même pas payé. Oui, il y avait Oiseau, oui. Regarde, Oiseau. Ah, ok, non, c'est une sorte de gars, du droïde au pigeon. On a déjà vu des déviants s'intéresser à d'autres formes de vie. Insectes, chiens, chats. Passionné par les pigeons. C'était quoi, mais jamais un tel de jaune qui... C'est un papillon, je crois. T'es à deux doigts de capturer ce déviant. Comment ta relation avec le lieutenant évolue-t-elle? Il avait l'air reconnaissant que je lui sauve la vie sur le toit. Il ne m'a rien dit, mais il y a une façon à lui de s'exprimer. Sacré Hank, hein. Nous devons agir rapidement. La déviance continue de se répandre, ce n'est qu'une question de temps avant que les médias ne la prennent. Nous devons éradiquer le phénomène, quoi qu'il en coûte. Je vais résoudre cette enquête, Amanda. Je ne vous décevrai pas. Nous avons reçu un nouveau cas. Il y a la détermination de la... Trouve Anderson et mène l'enquête. Mais il a un petit air. Ah ouais, il y a un petit quelque chose. Il a vraiment un petit air... à Cooper de Twin Peaks, c'est vrai. C'est peut-être pour ça que je l'aime bien. C'est mon personnage préféré. Milou. Donc on va chercher Hank chez lui. Aha. Menace de la Dual Shock. Qui nous annonce une batterie faible. Ouais, ça va tenir le chapitre. Ça va tenir le chapitre. Ça va tenir ou ça va pas tenir le chapitre? Si jamais après j'ai l'autre monnaie. Là tu dis, moi je dis que j'ai pas besoin. Ça va tenir le chapitre. Ok, on teste alors. On est un peu voyeur. Quartier tranquille. Ouais, hein. Et des fois, j'ai de la peine à réaliser un quoi non, ouais. Vu que tout le monde peut avoir des maisons aux États-Unis. Qu'est-ce qu'un quartier tranquille? Exactement, c'est vrai, en fait. Quartier, c'est difficile. Je ne sais pas. Mystérialine. Ouais, voilà, parce que Mystérialine. Lieutenant Anderson en fait. Il y a quelqu'un? Ça a pas l'air de marcher pour autant. Ça aurait été trop facile. Non, c'est Sumo. Sacré chien quand même. C'est un Saint-Bernard? C'est un Saint-Bernard, ouais.
On a le chat qui fait le show à côté. C'est la grande toilette. Lieutenant Anderson! Tu pètes sa vie, tout direct. Ah bah, en situation de bon, ça. Du calme, Sumo. Je suis ton ami. Tu vois? Je connais ton nom. Je viens sauver ton maître. Il est chaud. T'aimes pas le concert, t'aimes pas le concert de musique latino en dessous de la fenêtre pendant le live, pendant le let's play. On a une espèce de concert improvisé en dessous, mais je sais pas si dans le doute. Ça va tenir le chapitre. Non mais dans le doute. Parce qu'à certains moments ça va pas tellement le faire. Quoi? Des moments hyper joyeux sur sur notre ami Hank qui est dans le coma. Pas en très bon état. Coma éthylique. Possible. Lieutenant. Probable, je dirais même avec lui. Ouais, il tient quand même. Oh, bah ouais, il a de l'entraînement. Debout, lieutenant. Oui, on se remet assez bien. Le coma éthylique, c'est. C'est moi, Connor. C'est facile pour moi. Je vais devoir vous dégriser pour votre sécurité. Hey, ça risque d'être un peu désagréable. Androïde de mes deux, dégage d'ici, putain. Je regrette, lieutenant, mais j'ai besoin de vous. Merci d'avance pour votre coopération. Oh, putain, mais dégage de chez moi! Attaque! Bon chien. Attaque! Il n'a pas l'air très, très agressif, hein, Sumo. Non. Il est assez sympa, ce chapitre. Ah, ça montre un peu le personnage. Ouais, il est assez cool, justement, au niveau. C'est un chapitre assez simple, hein, en soi. Oui, exactement, c'est pas un chapitre. C'est vraiment de nouveau un chapitre d'immersion qui aurait dû. Sois tranquille, sale con. J'ai pas l'intention de bouger. Oui, bien sûr. Sumo, en fait, j'étais en train de combler avec celui d'après, puis j'étais en train de me dire non, faut pas se. On voit qu'il fait des petites notes sur le miroir. Alors, on s'est demandé si c'était parce qu'il était trop bourré. J'ai pas envie de prendre un bain. C'était juste une méthode. C'est marqué dans un des sur. C'est pour votre bien. C'est marqué. Se raser ou pas. Arrête ça tout de suite. Arrête ça. Qu'est-ce que tu fous ici, putain? Un homicide a été signalé il y a 43 minutes. Je ne vous ai pas trouvé au Jimmy's Bar, donc je suis venu chez vous. Oh, je dois être le seul flic de la Terre entière. Parce que le flic tient le chapitre. C'est tout le monde. Incroyable. Tu peux pas me laisser tranquille. Vous semblez avoir des problèmes personnels à résoudre. Vous devriez consulter un professionnel qui vous conseillera. Ça va le faire, ça va le faire. Barre-toi, fous le camp chez moi. Allez, casse-toi. Non, ça va pas le faire. Je comprends. Ça ne devait pas être palpitant, de toute façon. Oh, ça a l'air de jouer. Un homme retrouvé mort dans un bar à hôtel du centre-ville. Je suppose qu'ils résoudront l'affaire sans nous. Ça me ferait sans doute pas de mal de prendre un peu l'air. Mes vêtements sont dans le placard de la chambre. On a la pression sur nos épaules. Je vais les chercher. Pas pour le jeu que par le fond qui menace de nous tomber dessus. On va voir si on arrive un peu à voir les post-it. Les post-it, on avait déjà essayé, hein, mais. Bah, j'ai pas une assez bonne vue. C'est ce que tu dis, shaving or not. Mais à gauche, alors, il y a un U, à la fin, mais c'est flouté, on n'arrive pas à voir. J'arrive pas très bien. Faudrait zoomer, on pourra le refaire pendant les montages éventuellement. Ouais, ça risque d'être compliqué, je sais pas si ça reconstitue. Ouais, je pense une partie, mais peut-être pas assez bien pour voir. Ouais, peut-être, un petit bout. Que voulez-vous porter? Rien à foutre. La zébrée, elle est cool. Pour aller en plus... Hippie zébrée rayée. Pour en plus aller là où on va, je pense que ce sera parfaitement adapté. On se fondra dans le décor.
Est-ce que ça va, lieutenant? Tout baigne. Mais calmement, quoi. J'arrive dans 5 minutes, ok? Bien sûr. La présidente Warren a mis en garde la Russie. Ok, donc on attend Hank le temps qu'il finisse de se vider. La télé, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est toujours intéressant de regarder les télévisions quand vous jouez, parce que ça relate en fait les événements que vous faites avec les autres personnes. Non, on entend justement ce qu'il y a. Voilà, ouais. On peut pas regarder ce que c'est. Le... Mais il est clair que la tension monte entre les deux pays. De nombreux experts s'accordent à dire que la menace d'une troisième guerre mondiale se précise de jour en jour. On découvre donc que Hank a eu un enfant. Qui est décédé. Qui est décédé. Est-ce que ça aurait un lien éventuel avec scène des androïdes? Forcément des choses. Mais là, c'est un élément assez important de trouver cette photo. Et qu'on peut largement passer... Oui, sur côté, parce que c'est facile. Passer à côté. Hé, hey, t'as essayé de te suicider? Qu'est-ce que vous faisiez avec votre arme? De la roulette russe. Je voulais voir combien de temps je tiendrais. J'ai dû m'écrouler avant d'avoir la réponse. Vous avez eu de la chance. Le tir suivant vous aurait tué. Heureusement pour le coup qu'il y a eu le verre de trop. Hein. Ouais. Oui, je vois la roulette russe tout seul. Ça en dit long sur son état psychique, quoi. Ouais. Non, oh, petit Sumo. Allez, sois sage, Sumo. Je ne serai pas long. Ah, c'est un match de basket, ça a changé. Ouais, ça a changé, ouais. Ça va être, maintenant, ça va être ça. Tout c'est un match de basket le plus long du monde. Fin du chapitre, petit chapitre, plus pour nous Fantage. Montrer un peu les liens entre... Hank et Connor. Et Connor. Oh, surtout, je pense, la Connor. Hein, c'est plus vraiment axé là-dessus au final. Hank, surtout. Hank, voilà, justement, plus sur sa vie, sur sa. Voilà, sur comment il vit, ce qu'il fait. On voit que c'est quelqu'un qui est clairement dépressif, etc. On attaque la zone spoil tout de suite. Comme ça, on vous défloute l'arbre, on vous explique les décisions et les choses importantes à ne pas rater. 3, 2, 1, zone spoil. C'est la zone spoiler, il faut t'en aller si tu ne veux pas être spoilé. C'est la zone spoiler, il faut t'en aller. Fais-toi plaisir. Du coup, bah, il n'y a pas forcément grand-chose à dire, à savoir qu'au moment où il vous demande d'attendre 5 minutes, vous n'avez pas beaucoup de temps pour trouver des choses. Donc si vous allez lire le magazine, regarder la télé, trop attentivement ou caresser le chien, vous allez probablement passer à côté de... La photo. De la photo qui est hyper importante pour plus tard. D'ailleurs, on voit, il y a un cadenas doré qui se déverrouille à côté. Ouais, pour le Perfect Run, elle est vraiment essentielle. Vraiment essentielle. Voilà. Et puis, bah, découvrir qu'il joue à la roulette russe, ça peut donner aussi des infos pour plus tard. De nouveau, là, on cherche vraiment à se renseigner sur Hank, même si caresser le chien était une scène assez sympathique. Donc voilà, petit chapitre, fin du chapitre. Chapitre suivant. Le prochain est à toi. On est parti. À tout de suite. À tout de suite.